Devant elle, Phénix remarqua une représentation élaborée de la roue enflammée du... Quand Ixion a courtisé Hera, tu l'as dupé avec une nuée, c'est bien ça? Oui, j'ai trouvé ça marrant. Mais irresponsable. Il est né de cette union un enfant difforme, rejeté par tous les mortels et qui n'a trouvé la paix qu'auprès des juments. Avec lesquels il s'est accouplé d'ailleurs. Il est mort tout seul et tout triste. Le bon côté des choses. Au moins, ces juments ont donné naissance aux centaures. Des hybrides hypersexualisés à pas savoir si on doit vomir, être excité ou s'enfuir. Merci bien. Ah.
Que la foudre de mon marteau... Nettoyez ce monde de son imperfection divine! Ha!
Libra, la constellation de la justice. Illuminant les mortels, elle symbolise ton pouvoir de juger leurs actes, ô Zeus. Ça nous rajeunit pas, tout ça. Tu te rappelles quand je les ai créés? Au début, les titans arpentaient la terre. Toi, moi et les autres dieux les avons vaincus. C'était le bon temps, Zeus. Oui, c'est vrai. À l'époque, c'était sans danger de créer des mortels. J'ai commencé par essayer de les faire en or. Ils étaient parfaits, tellement que c'était pas drôle. Alors je les ai supprimés. Ensuite, j'ai essayé l'argent. Mais ils étaient tellement bêtes qu'ils se faisaient mal. Alors j'ai utilisé le laiton. Ça a été une terrible erreur. Ils se sont entretués jusqu'à ce qu'il n'en reste aucun. Après, il y a eu la quatrième race, les héros. Ils étaient vraiment bien, eux. C'était pas des dieux, mais je les ai adorés. T'avais utilisé quoi comme ingrédient? Ah ben, c'est bien le souci. J'ai paumé la recette. Ce qui nous amène au présent. Le cinquième âge. Je les ai fabriqués en fer. Les meilleurs de tous. Si tu le crois, tant mieux pour toi. Si tu n'avais pas volé le feu aux dieux pour le donner aux mortels, tu n'en serais pas là. Tu n'aurais pas fini enchaîné à un rocher. Tu es conscient que tu peux changer cela, n'est-ce pas? C'est toi qui m'as mis ici. Dès le début, les mortels en fer ont été un problème. Ça a empiré à chaque génération, on m'y reprendra plus. Je pense déjà à employer du jus de raisin pour le sixième âge. Ou de l'huile d'olive, tout le monde aime ça. Quel est le problème avec les mortels en fer exactement? La décadence, l'égoïsme. En plus, ils ne se lavent jamais les mains. Ils recherchent le plaisir et le pouvoir, et ils rejettent ou imposent l'autorité. Ils sont trop extrêmes et trop brouillons. Ton portrait craché, dis donc. Hé, c'est pas faux.